Yo tout le monde, c'est Smack, j'espère que vous êtes bien. Parce qu'aujourd'hui, on se tourne sur un nouveau jeu. On se tourne sur Kaiwachi Puni Puni, donc la version japonaise du Kaiwachi Wubble Wobble. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, j'avais fait un petit let's play dessus. Assez court, où je m'étais tapé des S et des SSS. Et des rangs A. Donc, j'ai pas pu continuer avec ce gros compte. Parce que mon gros compte, le compte que j'avais avec lequel j'avais joué, a été supprimé vu qu'il était en compte Europe et pas en compte chinois. Parce que j'étais obligé de l'installer via un APK donc, qui s'appelle QHAP. Il faut que je le trouve. Ah, donc c'est cette application. C'est l'application QHAP que vous voyez à côté du Play jeu des au-dessus de Stat Royale. C'est cette application qui m'a permis d'installer ce jeu. Donc, on va continuer à jouer. Donc je ne peux pas encore faire d'invocation. Peut-être j'ai Nihilistic et Jibanyan. Jibanyan que je vais up à fond. Essayer d'avoir certains trucs, le lui, celui-là, Pitou, il faut que je l'ai en priorité pour avoir à peu près pas mal de persos, sauf les boss, bien sûr. Il nous le faut à tout prix pour avoir un peu plus de personnages comme ça. Je suis juste revenu hier de Londres, donc pour une vidéo SSP, une vidéo qui devait tourner, mais malheureusement j'ai eu des problèmes de carte SD. Les vidéos qui ont tourné ont été effacées à cause d'un problème avec un problème que j'ai pas envie de raconter spécialement. On a une pièce 5 étoiles, donc on va peut-être faire une invo. C'est bon, on a Pitou. Ça va peut-être m'ouvrir une porte. Yes. Ça m'ouvre une porte pour avoir un légendaire. Et là, il nous montre le Bingo Kai. Donc voilà, donc on va devoir faire une invocation. Franchement, si on tombe sur un S. Voilà. Il y a deux Bingo Kai. Donc le Bingo Kai normal et le Bingo Kai Oni. Le Bingo Kai normal permet d'avoir des persos rang max, rang A. Ouh! Ou un rang A. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai eu un rang A. Donc un truc de lutin. Donc je vais le mettre tout de suite dans ma team. Ah, ok, d'accord. Je vais pouvoir aller directement faire changer mon ça à la place de ça. Comme ça me fait un bonus de 20%. J'enlève celui-là pour me mettre un healer parce que je n'ai pas de heal. Donc là, il y a les parchemins. Il y a. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est des histoires, voilà, comme ça par rapport.
Bon, en fait, c'est pas intéressant. Tu peux avoir certains et. Enfin, c'est des méchants yokai. Enfin, bref, vous avez compris. Ils sont contrôlés par un truc méchant, etc. Et bon, bref, enfin, vous avez compris. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire d'achat sur le jeu parce que le jeu est que français et que chinois. C'est-à-dire qu'il faudra payer en chinois. Malheureusement. Donc il y aura un épisode toutes les. Un épisode tous les. Un épisode par semaine. Ou deux. Voire deux si j'ai vraiment envie. Voilà, donc en fait, ça nous montre les mauvais. Voilà, donc là, il y a les trucs, voilà, les amis. Ça, c'est. Ce sont les. Personnages qu'on peut essayer d'aller se taper. Donc après au niveau les personnages on va aller se les taper que en live. Enfin c'est des persos qu'on obtiendra qu'uniquement en invocation. Donc ça on va faire cet event. Ah, donc après c'est les events. Je comprends pas moi je. Oui parce qu'en fait. Il y a la sortie de Yokai Watch en film. Yokai Watch 4 est sorti en. Parce qu'en fait, il y a Yokai Watch est sorti en. Yokai Watch 4 est sorti au Japon. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce qu'en fait, c'est il y a Yokai Watch 4 qui est sorti au Japon sur Switch. Ça me dit pas le niveau parce qu'en fait, j'ai des niveaux de personnages très très bas. Ouais, d'accord, en fait. Est-ce qu'on peut essayer d'adopter des yokai comme ça? Parce que moi, non, moi je dis pas non hein, d'adopter comme ça. Hein. C'est moins rapide, efficace. Enfin, je sais pas si c'est efficace, mais bon, passons. Oh, c'est bon, on a gagné. Amzanimbui. Ah, parfait, ça nous. Augmente les. Donc ça me donne 3 points. Ok, d'accord. Donc en fait, ça donne des points. Ok, d'accord. En fait, ça me fait pour débloquer un personnage. Ok, d'accord, en fait, c'est des trésors.
Ça me permet de débloquer celui-là et après ça en fait c'est des autres. Ok d'accord, en fait c'est des trésors. En fait c'est juste des trésors à débloquer. Donc moi qui pensais que ça aurait été un gros truc. D'accord, en fait c'est eux quand ils sont adultes et eux c'est eux quand ils sont enfants, d'accord. Je ferai des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, de 13 à 15 minutes. Parce que je pense que je vais beaucoup y jouer pendant les vacances. Parce que je suis en vacances à partir de mardi, je suis en vacances, donc en fait on va pouvoir stream. Je streamerai mais pas beaucoup. Je streamerai, il y aura peut-être deux lives par semaine. Un live sur PS4 et un live sur téléphone. Enfin, il y a un live tout court même. Il y aura un live sur mon téléphone et un live sur mon PS4. Dont venez nombreux. Ah d'accord, en fait c'est juste qu'ils m'ont offert une boule. Et si vous voulez, on fera des lives où on avancera sur les modes. On avancera sur les modes. On avancera sur le jeu comme ça. Si on est... Ah mais non, mais oui, c'est vrai, je suis bête. Il faut faire ça pour retourner dans le monde du jeu. Pas mal. Donc il y aura des vidéos tous les jours. Une vidéo tous les 2 jours. Hein. Comme ça me laisse le temps de jouer, tu vois. Ça me laisse le temps d'être tranquille pour l'instant. Donc si vous voulez, si vous aimez beaucoup les vidéos, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir que qu'on nous soutienne pour soutenir la chaîne, etc. Faut pas faire des vidéos. Pour moi là, les lives c'est juste des vidéos comme ça que je tournerai. Quand je suis en vacances, je tournerai les vidéos une semaine à l'avance et je les. Et je ferai des vidéos planifiées. Donc, c'est-à-dire des vidéos quand de pour dire que quand j'ai le temps. Les vidéos, ils prendront le temps d'arriver. Ils resteront pas comme ça pendant toute une. Et je n'aurai pas de vidéo pendant une semaine. Non, c'est juste que je ferai sortir des vidéos comme ça. Ah, j'en ai eu un nouveau. Donc, je serai là pour cette vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale parce que je mettrai 20 minutes de vidéo. Donc, c'est rare que je mettrai 20 minutes de vidéo. C'est juste pour aller loin dans le jeu et vous laisser. Il reste. Ouais, et aller. Peut-être à faire une invocation à la fin de chaque vidéo. Donc là, celui-là, c'est simple, on va être obligé de l'avoir. Il y aura, ouais, voilà, donc en fait, c'est une petite série pour l'été. Juste comme ça.
Donc surtout, n'hésitez pas à me conseiller au niveau de ce que je dois faire ou les trucs que je ne dois pas faire. Au niveau, par exemple, de pas dépenser mon argent dans n'importe quoi, etc. Honnêtement, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à m'ajouter, je vous filerai le code. Je file le code, il sera en dessous dans le. Il sera en dessous dans la description, mon code, si vous voulez m'ajouter. Et là, nous arrivons à la boutique. Donc, réveiller des seaux. Donc, ah non, ça, c'est les objets. Non. Et là, je vais pouvoir utiliser ça pour utiliser mes objets. Donc, voilà, donc là, j'ai une orbe XP. Je vais la donner à. Hop. J'up tous mes persos de rang haut. Donc là, je vais. Je pourrais faire une multi-invo ou une invo normale. Une invo normale, ça coûte 300. Une invo comme ça coûte 300. Et 4500, une invo comme ça. Donc honnêtement, vaut mieux faire du Mingo Kayoni pour avoir beaucoup de chance. Parce que là, dans les tampons, qu'est-ce que l'on aura plus tard? Où je mettrai peut-être des liens par rapport aux vidéos de ce que je ferai. Je ferai des vidéos dessus. Et honnêtement, cet APK est disponible uniquement que sur Android. Donc si vous avez iOS, ça dit un iPhone, ça ne marche pas. Donc en tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le franchement. Je ferai un maximum de choses pendant l'été. Même il y aura des vidéos basket, gaming, etc. Donc c'est une chaîne tout public. Donc si vous êtes fan de sport, enfin si vous voulez des vidéos sport, il y en aura pendant l'été. Enfin il y en aura partout des vidéos. L'été c'est fait pour moi vu que là pour l'instant là je suis encore dans les périodes de vacances. De cours vu que je suis encore dans les périodes de cours je peux me permettre des fois de d'être tranquille de me enfin pas faire de bêtises quand même parce que faut quand même me modérer car je vais beaucoup plus streamer. Donc je vais faire des petits streams comme avant, donc c'est-à-dire vendredi soir et le mercredi après-midi. Vu qu'il y aura beaucoup de monde pendant l'été, pendant l'après-midi. N'hésitez pas à venir regarder, liker, partager. Enfin, vous connaissez, vous n'êtes pas obligé de vous faire ça, de voir les vidéos un maximum, ça me. Ça déjà, ça contribue à des gens qu'on voit, qu'on connaît. Parce que là, il y a En Marche, je suis allé voir Sif. J'étais au Geek des Arènes avec un ami. Je ne peux pas tout filmer même. Je peux filmer que les vidéos ont été partagées, la photo de Sif. La photo que j'ai partagée avec Sif, je l'ai partagée que sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, hein, youngwolfrix21. Donc honnêtement, tous les liens de mes vidéos seront dans la description. Enfin, toutes les liens de photos, etc. seront dans la description donc si vous voulez passer donc et aussi
Pendant les lives, on fera un peu de tout. Parce qu'on jouera pas que à UK Watch, on jouera pas que à Pouni Pouni. Plein de trucs. Donc après ce combat, on va arrêter. Dans ta vidéo, ça fait quand même à peu près plus de 20 minutes que je tourne. Ça sert à rien que j'utilise Pitou pour cette fois-ci parce que Pitou, j'ai déjà ces yokai. Bon, à peu près, bon, aussi je peux les avoir pour augmenter leur truc de personnage si je veux. Si je veux, mais pour moi, ça a l'air un peu inutile d'utiliser cette méthode comme ça. C'est une façon bien de d'XP en utilisant les jauges comme ça. Il y a des photos qui vont être publiées de mon trip à Londres. Comme j'ai posté la photo de une photo de mes 2 premiers jours. Donc la photo où j'étais à Portsmouth. Dont je pense que vous avez vu si vous suivez ma chaîne. Enfin, ou certains, ceux qui regardent mes vidéos ou ceux que j'ai en message privé, ont forcément remarqué car j'ai pas été forcément bien accueilli sur à Londres. À Londres, moi je suis un enfin, moi je fais grand, je fais à peu près 1,72 m, donc moi aussi, bon, bref, je suis pas un colosse de 1,30 m. Ah, parfait, j'ai mon roupillon niveau 2. Là, faut juste Rugis. Donc en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, mettre un message, mettre toujours un commentaire. Puisque si vous mettez toujours des commentaires, ça fait accueillir. Je créerai un Discord donc, avec lequel on pourra discuter, faire des lives, des matchs. On fera aussi du Hearthstone. Donc vraiment la chaîne tout public avec un peu de vidéos sport, etc. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine et je vous dis à très bientôt. Salut! Oh, well.